17 anni e ragione. La politica è la mia passione. Sono al liceo combattiva. Frequento la vita collettiva. Scopro Michael e l'autogestione. Guardo il reale con attenzione. Mi piace ballare e gridare. Non mi faccio abbindolare. Ragazzi con gli sbirri, ragazzina spaventata. Ragazzi con gli sbirri, stavolta te la sei cercata. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est genre une vidéo de il y a un an et demi peut-être. Enfin, c'est la suite d'une série que j'avais commencé en préparation de mon Léry et je l'ai jamais sorti. En fait, ça devait être le dernier épisode. Bref, dans cet épisode, on va parler d'aéro, enfin plutôt de refroidissement en fait, vraiment. Mais bon, comme les deux sont liés, on va quand même parler un petit peu d'aéro. Mais surtout, je vais essayer de répondre à une question que tout le monde me pose sur circuit, c'est « Pourquoi tu as mis ton radiateur d'huile ici ?» Et donc ici, c'est dans la mangeoire, c'est la baie de pare-brise, c'est là où les constructeurs prennent de l'air frais pour ventiler l'habitacle de la voiture. Et pour, accessoirement, y mettre le mécanisme de lave-glace. Et donc oui, je me suis un petit peu fait chier à modifier le mécanisme de lave-glace pour pouvoir supprimer le balai avant et donc mettre l'essuie-glace gauche à la verticale pour essayer de supprimer un peu de drague aussi. Here. So if you have a windscreen wiper there, yes, granted, it will be like an extra edge that you need to cross, but if there's like an upward edge here which has an angle in between the vertical and horizontal, so something at 45 degrees, which is what we would guess based on this picture, then the air needs to jump up, then ramp down on a 45 degree edge, and then go from the 45 degree surface to the 90 degree surface, which is a larger radius actually, if you combine these two surfaces, which reduces the flow separation, vortex creation, and so on. En même temps, j'avais pas le choix vu que pour l'autre essuie-glace, il y avait le radiateur d'huile. Je crois que j'ai oublié les raisons pour lesquelles j'ai mis le radiateur d'huile à cet endroit en fait, au début. Bah, c'est tout simplement parce que c'est un bon endroit où il y a une zone de pression et puis parce que je voulais pas ajouter de poids sur le train avant parce que ça faisait un radiateur d'huile, ça faisait encore plus de poids sur le train avant. Déjà que mon moteur est en porte-à-faux, c'était pas ouf de rajouter du poids devant. Ça fait des longueurs de durite incroyables et surtout le radiateur d'huile aurait été exposé à tous les débris, les cailloux, les trucs de gomme et tout, comme l'est mon radiateur d'eau, malgré un grillage avec un maillage assez fin. Et ça, je voulais pas du tout ça, quoi. Donc c'est ici que j'ai choisi de le mettre. Et vous allez me dire, bah c'est très bien, ici il y a une zone de haute pression, c'est là où les constructeurs ont décidé de mettre cette admission d'air pour l'habitacle, mais comment tu vas évacuer cet air frais? Et donc bah moi j'avais pas vraiment réfléchi à cette idée-là à l'époque, j'avais laissé ça tel que c'était, donc c'était au niveau des passages de roues avant. Donc jusque-là, ça allait très bien. J'ai passé des week-ends de piste sous 30 degrés à saigner la voiture comme jamais. Et la température d'huile n'a jamais bronché, jamais. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi t'as fait ça? C'est une excellente question et je vais essayer d'y répondre. Parce que voilà quoi. Donc en fait, je suis un petit peu fan de Formule 1, je déteste la Formule 1, mais j'adore la Formule 1. Et en fait, tout ce qui fait en sorte que la F1 est la F1, et toutes les modifications quasiment qui sont faites sur les F1, c'est fait pour dégager le dirty air généré par les roues, en fait. Et donc ça m'a un petit peu trauma, j'étais matrixé par cette idée que les roues généraient un bordel pas possible qu'il fallait absolument éviter. Et donc moi je me suis dit, oulala, attends, t'as le flux d'air chaud qui part là-dedans, c'est la merde, ça doit foutre la merde là-dedans. Donc tu as ça, et puis t'as aussi, vous savez, on voit beaucoup chez les tuneurs ou chez les gens qui font de la piste, les espèces d'ailes qui sont un petit peu, pas évasées, mais qui sont découpées à l'arrière des roues pour laisser s'échapper de l'air, quoi. Et donc si les mecs qui font de la piste et... Si les constructeurs des fois le font, je parle de Porsche sur sa dernière GT3 RS par exemple, le font, c'est qu'il y a une raison.
Mais je crois que je me suis un petit peu trompé. Enfin, on verra ça plus tard. Donc je me suis dit, cet air chaud-là, il va partir dans un endroit un peu plus smooth, tu vois, avec un flux que j'espère être laminaire, donc derrière les ailes que j'avais ajourées pour faire passer les roues avant. Donc voilà. Je me suis dit, ouais, ce sera beaucoup plus sexy, ce sera beaucoup mieux, ça fera un petit peu aéroporn et tout, machin. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc comme vous allez le voir, c'était très chiant. C'était très, 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 très chiant. Qu'il a fallu que je fasse des espèces de moulins. Enfin, je vais te mettre un time-lapse. Tu vas te rendre compte du truc, c'était pas ouf. Donc la méthodologie était plutôt simple. J'ai utilisé deux anémomètres, donc un qui mesure la vitesse de la voiture et l'autre qui mesure le flux d'air qui passe par le radiateur d'huile. Donc c'est toujours le même anémomètre qui mesure la vitesse de la voiture et toujours le même anémomètre qui mesure le flux d'air qui passe par le radiateur. C'est super important parce que c'est du matériel que j'ai commandé en France mais qui est venu de Chine. Vous reprochez rien, on a le droit de critiquer le système. Alors je dis pas, hein, ça doit être du super bon matériel, enfin ça doit être du bon matériel à condition qu'il soit calibré. Donc comme je ne mesure pas les mêmes unités et pas les mêmes choses, ça va. Il y en a un, c'est juste pour me faire une référence de vitesse et l'autre c'est pour le flux. Et donc c'est important de ne pas le faire à la vitesse GPS parce que bah, des fois tu peux avoir du vent de face, du vent dans le dos et ça fait en sorte que ça te baise toutes tes mesures. Et un autre facteur aussi qui est important, c'est la position de l'anémomètre sur le radiateur d'huile. Les constructeurs et les professionnels font ça en général avec des pitot-tubes, deux pitot-tubes, enfin plein de pitot-tubes, qui mettent en amont et en aval du radiateur pour mesurer la différence de pression et tout ça, machin. Et en fait, sur un radiateur, tu as des différences vraiment énormes entre les endroits où tu vas prendre tes mesures. Il y a aussi des constructeurs qui le font avec des anémomètres, mais pareil, ils utilisent plein d'anémomètres. Mais là, le truc, c'est que vu la surface, la petite surface de mon radiateur d'huile, je pense que ça allait être très bien comme ça, quoi. Alors pour les résultats, comme vous pouvez le voir, ça fluctue beaucoup. L'idée c'était de rester autour des 100 km/h. Donc la ligne du dessous, c'est le setup de mon Léry. Donc avec les écopes qui vont le long des ailes à fleurs, machin, le truc super sexy. Et en haut, c'était ma version de base, celle que j'avais fait, où ça dégueulait dans les passages de roues à la zob, vraiment, vraiment à l'arrache, quoi. Les résultats, c'est assez flagrant en fait. Comme vous pouvez le voir avec l'ancien setup, on est à 315,6 mètres cubes par minute. Et genre, avec le setup qui arrive le long des ailes, derrière les ailes à jouer, on est à 228,6. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et donc pour que vous ayez une ordre d'idée de flux d'air,
quand j'allume le ventilateur SPAL à l'arrêt, on est à 196,8 mètres cubes par minute. Et donc là, à environ 100 km/h avec mon ancien setup, on est à 228. Et avec le setup de départ, quoi, le vrai Logic que j'ai remis par la suite, on est à 315. Donc ça veut dire qu'à 100 km/h, même avec le setup foireux, ça souffle plus fort que le ventilateur SPAL. Et pour avoir un autre ordre de grandeur, à la même vitesse, le radiateur d'eau, lui, le flux d'air de la portion que j'ai prise, bah, c'est 525 mètres cubes par minute. Donc c'est encore plus élevé que le meilleur setup du radiateur d'huile. Mais en fait, je pense que ça s'explique vraiment par la surface frontale de la Civic. Parce que j'ai pas beaucoup, je sais pas où sort l'air. Alors, il y a deux sorties d'air sur le capot, mais je pense pas que ça y fasse beaucoup. J'ai le fond plat devant. Alors, je pense que ça part juste après le fond plat, parce qu'il y a quand même un espace entre le fond plat avant et le fond plat arrière, enfin milieu arrière. Donc, je pense que l'air s'évacue par là. Et ouais, je crois que c'est pas mal, 525 mètres cubes par minute pour le radiateur d'eau. Enfin bref, comme ça vous avez un ordre de grandeur. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi il y a eu cette différence entre mon super setup aéroporn et le setup de merde à la Zob. Donc comment expliquer que le flux soit meilleur quand je décharge l'air chaud derrière au niveau du passage de roue, le truc dégueulasse où il y a toutes les turbulences et tout? Bah en fait, c'est assez simple. C'est la vidéo d'un mec qui s'appelle Nelson Phillips qui m'a mis la puce à l'oreille. Il avait fait une vidéo sur les passages de roues justement. Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne, elle est vraiment oufissime, vraiment très 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 très, très cool. Où il disait en gros que ajourer les ailes à l'arrière ça servait pas à grand chose. Alors moi, quand j'ai vu cette vidéo et quand j'étais là-dedans, j'avais déjà commencé toute ma tambouille sur mes extracteurs d'air au niveau du dessus des ailes et tout ça. Et là, je me suis dit, merde, je fais peut-être une connerie, parce que, en fait, ce que tente à prouver sa vidéo, que je mettrai en lien dans la description, c'est que derrière les roues, il n'y a pas énormément de pression. Et donc, quand on voit toutes les ailes de tuner et de pistard qui sont complètement flared, je ne sais pas comment expliquer ça, tu sais, genre elles sont arrondies pour faciliter le passage de l'air, et bien en fait, il n'y a pas énormément de gains, parce que derrière les roues, c'est que de la dépression, c'est que de la faible pression, pardon. Et ce qui fait en sorte que tu n'as quasiment aucun gain, aucune perte de drague, quoi. Là où c'est vraiment bénéfique, c'est quand tu as un diffuseur à l'avant, quand tu as vraiment une grosse quantité d'air qui passe par le diffuseur à l'avant et qui va s'exploser dans le passage de roue. Là, ça devient plus intéressant. Alors, cette étude, elle le montre un peu, là. Pareil, je mettrai le lien en description. Donc si tu as envie, tu peux tout lire. Donc ça parle surtout de différentes méthodologies pour mesurer et visualiser le flux de l'air sur une roue qui tourne. Mais dans cette étude-là, tu vois quand même avec des trucs plutôt simples que, en gros, tu as deux putains de vortex juste au-dessus, à l'arrière de la roue. Donc c'est-à-dire là où l'air chaud du radiateur s'évacue sur ma voiture. T'as des putains de vortex qui font en fait office d'aspirateur. C'est juste deux énormes aspirateurs. Donc là, t'as le 205 de large quand c'est lancé à 130-140 km/h qui agissent comme des pompes à air en fait. Et c'est ce qui fait en sorte que ça fonctionnait de base, quoi. Donc là, on voit super bien. Tu vois, t'as deux énormes vortex qui se forment et qui font office de pompes à air. Et c'est exactement là où se trouvent les sorties de mon radiateur d'huile. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt cool. Mon setup était pas si mal branlé. C'est super bien. Alors, est-ce que ça fait perdre du drag? Je suis pas certain. Étant donné que ça aspire de l'air qui vient du dessus du capot. Je suis pas sûr qu'il y ait un effet vraiment, mais voilà quoi. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu pourquoi ma première méthode était pas dégueu quoi. Et pour en revenir à l'air qui trouve derrière les roues, je voulais aussi vous montrer cette petite vidéo là. Ça, c'était à
au spa Asia il y a 2 ans, en 2022. Là, vous verrez qu'il y a de l'eau qui stagne derrière la roue. Donc ça, c'est de l'eau qui forcément était, qui avait percuté le passage de roue et puis qui redescend. Et vous voyez qu'elle descend presque à la verticale derrière la roue, là. Et avant de d'être frappé par le flux d'air. Et là où c'est encore plus flagrant, ça va être à l'arrière, ou carrément là, on voit l'eau qui va devant. En fait, l'eau avance, quoi, carrément, elle va plus vite que la voiture. C'est ouf. Alors après, il y a l'effet de la force centrifuge qui la dégage vers le côté. Mais on voit quand même qu'elle reste, quoi, qu'elle, derrière la roue, elle reste collée derrière la roue avant d'être percutée par le flux d'air. Enfin voilà, j'ai trouvé ça ouf. Donc voilà les petits loups, si vous voulez faire pareil, je sais pas comment c'est branlé sur vos voitures, mais sachez que là, il y a derrière, juste au-dessus de la roue, hein, c'est pas derrière à 100%, c'est ici, quoi. Au début de ce fameux vortex de ouf, enfin cette paire de vortex au-dessus de la voiture, au-dessus du pneu, pardon. Donc pour conclure, on va juste dire que l'aéro, c'est pas de la croyance, c'est pas une religion, et faut pas essayer de faire comme sur les Formule 1 avec sa voiture de piste, parce que c'est pas une Formule 1. On a beau aller sur les mêmes tracés, on va pas à la même vitesse. Ciao.